Hey les fanos, c'est Mathéo, j'espère que vous allez bien. Et écoutez-moi, comme d'hab, je pète la forme. J'espère que vous aussi, aujourd'hui les fanos. C'est un nouvel épisode sur Kingdom Hearts. Je ne sais plus le combien c'est parce que les fanos, si vous regardez cette vidéo à l'heure où je la sors, eh bien ça fait depuis un moment que je n'ai plus refait de vidéo let's play, déjà sur Kingdom Hearts et sur mes autres let's play. Et si vous avez vu la vidéo que j'ai sortie dernièrement, eh bien vous avez pu voir que j'avais sorti cette vidéo, enfin que les raisons de mon absence, parce que voilà, il y avait l'école et l'examen. Donc bref, donc ça y est, je reprends le let's play sur Kingdom Hearts. Et donc la dernière fois on s'était arrêté que j'avais fini, enfin que oui c'est ça, que j'avais fini le monde de Pinocchio. Et Pinocchio eh bien a disparu, voilà, et Gepetto aussi je crois, mais voilà, je crois que Gepetto aussi avait disparu, hein. Et du coup il fallait qu'on s'en aille et qu'on sorte du monde de Pinocchio pour aller maintenant dans un autre monde, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est bien ça. Et donc du coup nous avons le choix entre celui-ci ou celui-ci. Ah bah apparemment je peux même pas aller dans lui, donc on va aller dans lui. Et bon, le niveau d'étoile a l'air moins conséquent là. Après voilà, il y a le trou, ouais non, même pas le trou cosmique, hein, donc on peut aller, donc on va aller ici, dans le monde le plus dur. Alors quel sera ce prochain monde? Alors moi, je le sais, mais est-ce que vous, vous avez une idée du monde que ça peut être? Eh bien, ah merde. Attends, comment on fait des dégâts pour tirer? Ah oui, voilà, c'est vrai que ça rentre. J'ai totalement oublié comment tirer avec le vaisseau de nuit. Bon, de toute façon, j'ai jamais su diriger le vaisseau Gumi et l'utiliser. Donc ça range, hein. Ça range tout le monde. Hop. Et voilà, nous sommes arrivés dans le nouveau monde. Est-ce que vous avez reconnu à la tête quel est ce nouveau monde? Ville d'Halloween, qu'est-ce que cela sera? Quel Disney? Et dans Kingdom Hearts, vous l'avez peut-être tous reconnu. C'est parti! Et voilà, c'est vraiment un endroit lugubre. Je parie que les habitants sont effrayants. Pas de panique, on a l'air bizarre nous aussi. S'ils essayent de nous faire peur, on fera pareil. Si tu le dis. Et donc du coup nous sommes dans l'incroyable monde de Monsieur Jack. Tout le monde, enfin l'incroyable Halloween, pardon, de Monsieur Jack. Nous y sommes. Alors attendez, je vais juste faire une petite sauvegarde quand même. Voilà. Tac, au moins. Hop. Donc du coup, on peut voir qu'on a les vêtements d'Halloween. Hein. Alors Donald, par contre, fait très peur. Et ben, c'est un peu le principe. Mais du coup, voilà. Alors, place de la guillotine. C'est là que nous allons aller. Ah. Il y a des sans-coeurs. Là aussi. Eh bien, c'est parti, on va les combattre. Hein. Ah. Apparemment, il ne se passe rien quand on veut les combattre. Parce que ce sont des fantômes. Et oui. Du coup, j'imagine que... Alors, même peut-être de la magie. Hein. Ouais, non. Ouais, non, non, mais c'est que ce sont des fantômes. Alors, peut-être faut les éviter, hein, aussi. Allow me to introduce the master of terror, the king of nightmares, Jack Ellington. Donc les sans-coeurs n'est pas en fait des sans-coeurs. Et voilà Jack. Bravo Jack.
most ghosts will be a big hit at this year's Halloween. Thank you. But their movement still needs work. It's not scary enough. I want to strike bone-chilling terror. I'm going to consult the doctor. Then I'll go attend to the decorations. Ok. Donc, Jack, eh bien, veut préparer un super Halloween. Et lui va s'occuper des décorations. Bienvenue dans la ville d'Halloween. Vous êtes effrayant à souhait. Pour notre ville, le festival d'Halloween représente tout. Jack et nous autres cherchons toujours de nouveaux moyens de faire peur aux gens. D'accord. Bon, c'est bien parce que là, ils sont tout gentils, hein, les fantômes. De ce qu'on voit. Alors, peut-être que... Enfin... Mais dans mes souvenirs, je crois pas qu'ils soient aussi gentils. Alors, le laboratoire. Peut-être que c'est ici que se trouve Jack. Allons dans le laboratoire. Why, of course. The heartless need a heart. Doctor, do you think we can add a heart to that device? Certainly. A heart's not all that complicated. Let's get you to work. To make a heart, first take a container with a lock. Mm-hmm. Ben voilà un cœur. We need the key to this thing first. Et nous, on est là. Tu vas vraiment l'ouvrir? Pourquoi pas? S'ils réussissent, nous n'aurons plus à combattre sans cœur. Et puis, j'aimerais bien les voir danser. Pas toi? Pas vraiment. Wow, that was amazing! And you are... Sora! Well done, Sora! I'd like you to be a part of this year's Halloween! What's this Heartless doing here? Oh, the Heartless came to town just recently. What's frustrating is I can't get them to dance with me. So, the doctor and I are trying to improve the guidance system. He's quite a genius. Okay, doctor, let's continue. The ingredients for a heart. Pulse. Emotion. Terror. Fear. Hope and despair. Mix them all together, and we have a heart. Let's try adding memory. Sally? Sally! Good for nothing girl. Don't know why I bothered reading her. Sally's got the memory we need. See if you can track her down. No problem. Sora, would you like to come along? Sure. Bon, alors du coup, c'est vrai que, quand même dans le monde d'Halloween, ça fait peur. Mais du coup, à savoir si je veux aller avec Jack. Bon, alors Jack, comme je connais pas son niveau... Non. Non, on va rester notre équipe. Non, on va rester comme nous on est. Alors, et le professeur? Enfin, docteur. C'est de t'avoir la mémoire qu'il nous faut, mais elle n'est pas encore entrée. Où est-elle passée? Eh ben, c'est une bonne question. Ben, on va la chercher. Jack! We have a major crisis! The Heartless are completely out of control! We can't stop them!
Maybe our experiment triggered something. Everything will be fine, Mayor. You have nothing to worry about. Donald T. regarde bizarrement Sora. Eh bien, allez, c'est parti. Place de la guillotine. Allons combattre les sans-cœurs. Alors, c'est bien parce que même les ombres sont aux couleurs d'Halloween. C'est bien, moi je passe au travers de la guillotine. Par contre, je ne vois pas. Ah, voilà. Bah, attendez, là, regardez là, juste là. Mais. Il y en avait un là. Ah, voilà. Ils sont chiants, hein, ces sans-cœurs à disparaître là comme ça. Alors, je ne sais pas si on a encore. Ouais. Allez, avant que celui-ci ne disparaisse. Voilà. Des lampins. Ok. Alors, je sais pas si on a encore ou pas. Ah, je ne sais pas du tout où je vais. Mais... Ah, là, voilà. Là, il y a des ombres. Je ne sais toujours pas où je vais. Alors... En fait, je ne sais pas s'il faut tous les tuer. Ou s'il faut aller dans un endroit en particulier. Ouais, c'est juste ça que je suis en train de me demander. Parce que là, je pense qu'il faut pas tous les tuer et aller... Non, ça, c'est le laboratoire. Donc on sent... Non, c'est même pas le laboratoire. D'accord. Il y avait la place des lampins. Ouais, est-ce que... des lampions, pardon. Est-ce que c'est là qu'il faut aller? Bah non, du coup, non. Parce que là j'ai combattu à peu près tous les monstres. Hein. Là il y a quoi là? Alors, je pense pas que ce soit un chemin. Ouais, c'était pas un chemin ça. Enfin, ce n'est pas un chemin, pardon. On va y arriver. On va arriver à trouver le problème. Surtout que je ne vois absolument rien, c'est-à-dire que j'ai fermé les volets de chez moi et pourtant je ne vois rien. Ah, mais voilà! Voilà, fallait aller là. Attends, et là il y a bien un truc. Ah, regardez, il y a un coffre. Bon, c'est pas ce que je cherchais le... C'est pas à la base que je cherchais, mais... Ah, il y a des escaliers. Ah ben voilà, ben c'est là alors qu'il faut aller. C'est là que se trouve Sadie. Je sais pas si ça a fait quelque chose ou pas, en fait, d'avoir tiré. Parce que là. Ça serait rien, peut-être qu'il faut tirer trois fois. Ah, ok. D'accord, mais c'est tout ce qu'il y avait en fait. Moi, je me disais que Sally peut-être se trouvait ici, mais... Alors, on va peut-être encore retirer trois fois. On va voir ce qu'on trouve, s'il y a peut-être encore un truc. Ouais, il a l'air de pas rien avoir. Ok. Bon, ben alors ce n'est pas ici. Mais par où c'est? Mais par où il faut... Je ne sais pas où il faut aller. Parce que là, sinon, tous les monstres, je les ai tués. Là, il n'y a rien, encore, une fois. Mais là, il y a de l'eau pure. Alors, attends. Je ne comprends pas où il faut... Qu'est-ce qu'il faut faire, où il faut aller. Non, là, je vais retourner encore au menu de sauvegarde. Le truc, c'est que là, j'ai tué tout le monde. Hein. Il doit y avoir un truc qui m'échappe, mais... Le truc, c'est que comme je vois absolument rien à l'écran... Je ne sais pas où il faut aller et où se trouve Sally.
Parce que sinon, cours du laboratoire, sinon... Peut-être est-ce que c'est dans cette zone, en fait, et qu'il ne fallait pas sortir. Parce que regardez, le maire a disparu. Bon, et là, il n'y a rien de... Écoutez, je pense qu'on va encore utiliser la tablette. Hein. Non, mais c'est vrai, hein, je n'arrive pas à comprendre ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Il y a un truc qui m'échappe. Donc, on va regarder cela. Chercher Jack, voilà. Jack Skellington, pardon. Bref, machin. Oui, merci. C'est toujours pas pareil. Hein. Je suis en train de regarder. Toujours les mêmes choses. Alors Jack. Ah oui, Jack a quand même plus de vie que nous autres. Oui, donc peut-être le remplacer par Dingo, mais bon, comme Dingo, il nous soigne vite. On va voir, sinon je mets Jack, mais Jack aussi a l'air pas mal. Non, de toute façon, je peux pas mieux faire. Hein. Alors, attendez. Parce que lui, voilà, lui il va combattre. Et ensuite, où trouve-t-il Sally? Parce que moi, il y a un truc qui m'échappe. Je pense qu'il y a un endroit que j'ai loupé. Hein. Donc là, c'est ce que je suis en train de regarder. Il y a dû avoir un endroit que je loupe. Voilà. Donc apparemment, j'aurais loupé une grille. Qui serait apparemment ici. Peut-être pas ici, mais en tout cas, c'est une grille qui se trouve en hauteur. C'est là où il y a une lune. Enfin, c'est là où il y a la lune, pardon. Donc la lune, elle se trouve... Non, c'est même pas l'endroit où il y a une lune, c'est qu'il y a un endroit qui s'est ouvert. Donc lui, là, regardez, attendez, parce que lui, il est proche du seau bleu, donc là, lui. Et d'un coup, lui, il va là, donc là, purée. Et là, j'ai raté un truc. Voilà, je ne pensais pas qu'on pouvait aller jusqu'au fond, c'est ça que j'ai loupé. J'ai loupé le cimetière. On devrait aussi inspecter le cimetière, mais il faut d'abord chasser les sans cœur. Alors, où est-ce qu'ils sont tous? Ah, regarde. On a une momie, momie, je sais pas quoi. Ah ben voilà. Allez, et Sally, alors allez où? Zéro. Ah oui, c'est vrai. Zero, have you seen Sally anywhere? Is something wrong, Jack? No, everything's going great. We're going to have the best Halloween ever. All we need now is your memory. Memory? You mean this? Jack, ah, on a gagné le mise aussi. On a gagné quelque chose. Nothing could beat what I've got planned. Once we give the Heartless a heart, they'll dance just as I envisioned. Trust me, you're going to love it. Elle a l'air un peu réticente quand même à l'idée. Hein. Bah écoutez, si Jack voulait bien réfléchir, eh bien écoute. Si tu t'inquiètes pour lui, eh bien... C'est pas bien grave.
Elle la suit. Ah oui, ça c'était sûr qu'elle allait avoir quelque chose là. J'ai voulu m'approcher exprès pour voir si elle avait quelque chose. Mais... Ah oui, c'est vrai, Armstrong Graham. Yeah, I sure did. A heart. What should we do? Gosh, you really are stupid. Isn't it obvious? Tell Oogie Boogie. C'est vrai, je me rappelle plus de E3 dans le dessin animé. Bon, du coup, vous avez tous entendu qu'ils viennent de dire, on va le dire à Oogie Boogie. Donc Oogie Boogie qui est le méchant du jeu, tout simplement. Et retournons au laboratoire et donnons le cœur à ce grand monsieur. Voilà, c'est ça, il ne manque plus qu'un ingrédient. Il faut de la surprise pour finir le cœur. La mémoire doit savoir où en trouver. Et c'est-à-dire de la surprise. That bonehead Jack is really making a hot. I'll be jiggered. That works for me. Ooh, when I get my hands on that. Well, I've got no hands, but I'm still gonna nab that heart and control the heart. D'ailleurs, va-t-on peut-être découvrir leur visage? Qui sait, peut-être. Alors, et donc, il ne manque plus que la surprise. Demandez au maire de s'en charger. D'accord. Alors, on tourne voir le maire. Le maire qui doit se trouver sur la place. Le maire qui ne se trouve pas sur la place. Ah, il doit être au cimetière. Le cimetière qui je sais plus où se trouve. Ouais, il se trouve là. Il ne se trouve pas du tout ici. Je vais y arriver à me repérer dans ce monde. Un jour j'y arriverai. Mais un jour. Attendez, faut bien que je récupère de la vie, moi. Allez! Mais tape-le! Ne tape pas. Bon, par contre, ce qui est bien, c'est que la zone est petite, mais par contre, il y a beaucoup de monstres. Beaucoup de monstres à tuer qui vaut beaucoup d'expérience gagnée. Donc ça c'est bien aussi. Allez. Ah putain. Mais... Allez. Voilà. Allez, ça c'est bon. Donc tac, putain. Il y en a encore. En fait, il y a plusieurs rounds là dans la place, c'est normal. Hein. Mais normalement, voilà, là ça devrait être le dernier et je devrais être tranquille. Donc, retournons au cimetière. Toujours pas. D'accord, c'était pas au cimetière qu'il fallait aller, mais... Apparemment non. Allez! Apparemment je faisais que des contres, mais... Ah,
c'était même pas là qu'il fallait aller. Alors, il y a encore un coin que j'ai dû louper, je pense, mais la surprise... Il n'y a pas 36 000 endroits où le maire peut se trouver. Hein. Ah, attendez, examinez. Attendez, je peux examiner. Ah. Bah voilà. Attendez. D'accord, donc si j'examine, on sera là. Ah ben voilà, le maire se trouve ici. Donc j'avais bien raison. Des fantômes vont surgir de ces pierres tombales. Examinez-les dans l'ordre d'apparition des fantômes. Si tu te trompes, tu auras une sacrée surprise. Attends, il est où? Ah, ok. Donc, c'était lui. Pas du tout. D'accord. Splendide! Maintenant, on va voir la citrouille. Donc la citrouille... Boîte à surprise. Ah ben voilà. On va pouvoir aller le donner au... Alors, sacrée surprise, hein. Le purée, c'est une sacrée surprise, ouais. Tu parles d'une surprise, toi. On va aller le donner, du coup, au... Au docteur. Alors attends, le laboratoire qui se trouve par là. Donc la boîte à surprise. Voilà, c'est ça. Allez, montre-nous. Ok, Amstramgram a volé le... On va aller les chercher. On va aller à leur poursuite. We lost them. Zero! After them, quick! Donc, toujours au cimetière. Ah, maintenant on a des dragons. Allez, 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 allez. Voilà. Donc, hop. Alors, le cimetière. Bon, maintenant, je sais où ça se trouve. Ah, purée. Allez. Il a disparu encore. Allez, il est là. Voilà. Hop. Allez, c'est parti. Mais c'est dans le cimetière qui s'est passé ça. En tout cas, ils ont l'air d'être bien. Ils marchent sur une baignoire. Momie.
tape dans le vide, c'est bien. Mais je tape encore dans le vide. Ah, Sora est monté en niveau. Elle a gagné pas mal de trucs. C'est de bits mangés ce qu'il y a dans la bouche. Qu'est-ce que j'ai dans la bouche? Au moins ça, vous n'entendez pas le bruit. Parce qu'en même temps je suis en train de manger plein de trucs. Alors. Donc déjà le maire il est plus là. Hein. Et surtout apparemment c'était même pas là. Si attends. C'est par là qu'il faut aller. Ah ben voilà. Allez, je le tape même pas. Ah purée. A tes souhaits Mathéo, merci. Allez, Dengo aussi. Ah, là, je suis en train de taper sur une citrouille. Donc eux ils sont montés là-dessus. Ah. Ah, apparemment je peux examiner une truc ici. Donc je vais l'examiner. Allez, c'est énervant hein. Non, attends. On dirait une lanterne. Faut peut-être l'allumer. Ok. Eh ben écoute, petite lanterne. Et donc bah, j'imagine qu'il faut monter dessus. Mais... Ah, d'accord. Ça nous évite en fait de faire tout le chemin. D'accord, et si j'ai envie d'aller là, d'accord, je peux même pas aller là, quoi. D'accord, donc en fait, il faut l'allumer pour... Ok, j'ai compris. Ah, putain, par contre, dans pas longtemps, je meurs. Pendant pas longtemps, voilà. Toujours pareil, toujours les mêmes. Tout ça pour un nether. Allez vite, hop là. Putain. J'avais esquivé exprès juste pour pas me prendre la boule du dragon. Et... Voilà. Ah mais d'accord, la table elle s'est barrée en fait. D'accord, donc en fait elle te ramène au cimetière, mais après elle se barre. Ouais, c'est une chaise... C'est une chaise... Enfin, c'est même pas une chaise, c'est une table qui t'aide, mais qui se barre après. Donc c'est pratique. Voilà, on va faire le tour hein, parce qu'il y a des sans-coeurs tout le... De partout. Et on va voir surtout s'il y a des choses à faire parce que j'imagine que eux ils sont montés mais qu'il va y avoir un truc à faire pour les poursuivre. Donc on va faire le tour de tout ça. Donc du coup tuer déjà tous les 5 heures. Voilà. Et l'autre il fait une... Il a voulu faire Michael Jackson, on sait pas ce qu'il a voulu faire. Come on.
voilà, parfait. Ah, il y a une marque de trio, mais que je peux pas faire. C'est pas trio le groupe. Une blague de bof ou quoi. Allez, putain, 3 heures après, toujours pareil. Allez, 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 allez. Putain. Toujours pas. Allez. Putain. C'est fou de pas y arriver comme ça. Voilà. Allez. Attends, examinez. Ah d'accord, donc j'ai fait en fait le tour pour rien. Bon, écoutez, au moins... Au moins j'aurais gagné un peu des points. Et pourquoi Dingo il nous suit pas? De toute façon, il y a des sanctuaires de partout. Donc, je préfère mieux les combattre et augmenter mon niveau que de pas les combattre et après de me retrouver devant des sanctuaires que j'arrive pas à battre. Ah merde, je suis tombé. Par contre, il y a un coffre. On sait même parce qu'ils nous ont tous suivis. Et plus j'avance, plus je croise de sanctuaires. Et donc plus ils sont. J'ai fini de combattre tout le monde. Donc ça c'est pratique. Non, apparemment j'ai pas fini. Pour moi il y a quelqu'un. Non, apparemment non. Bon, oui. Voilà. Bloc Antonium, tout ça pour ça. Et donc attends. Non, attends. J'ai compris. Et là, attention. Oui. Oui, allez saute. J'y étais là. Non. Attends. Mais putain. Mais. Bon, alors peut-être c'est même pas ça, hein, la technique pour aller prendre lui. Et pour moi, hein. Bon. Écoute, apparemment ça a pas l'air d'être ça, donc. Hein, voilà. Et comment on fait après pour remonter en haut? Comment on fait? Comment on fait pour remonter après? Ah, la place de la guillotine, ah, mais non, non, non. Non, non, moi je vais pas retourner à la place de la guillotine. Toi tu es fou après tout le chemin que je viens de faire. Non, 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 je vais pas retourner à la place de la guillotine. Ah, ben voilà. Attends. Alors, j'essaie de pas tomber, mais... Non. Non. Je sais pas où il est, hein. Allez, putain. 3 heures après, Mathéo n'a toujours pas fini de combattre les 100 coeurs. Allez, et lui aussi, il est tombé. Pas grave, je cherche, voilà, lui. Non. Putain, je vais pas faire une attaque de magie, ça sert à rien. Et donc, attends, j'imagine que si je vais là-bas, il doit y avoir le dernier, là. Non. Ah non. Il y a des ombres, mais pas, la momie. Je vais chercher son nom. Ça, ça doit être un deuxième round. Parce que pour qu'il y en ait autant... Ah, j'ai gagné un trophée chasseur de 100 coeurs. Donc ça, je pense que c'est parce que j'ai dû tuer un certain nombre de 100 coeurs. En tout cas, j'ai gagné ce trophée. Parce que avoir le trophée en diamant qui est dans Kingdom Hearts, c'est assez simple. De ce que je... De mes souvenirs, hein, c'était simple. Et là on va au manoir Doggy Boggy après. Attendez. Non mais eux ils veulent vraiment que je tombe. Alors que non, moi je ne veux pas tomber justement. Putain.
je vais mourir. Non mais attends. Ah putain, ouais, enfin voilà, vous faites un truc. Attends, parce que là du coup il est tombé en bas. Il faudrait qu'il réapparaisse. Non. Il veut pas. Voilà. Juste qu'il réapparaisse, voilà. Tac, et moi, je lui fais un brasier plus. Et je lui refais encore un brasier plus. Voilà. Allez, au moins tout le monde est content. Alors nous allons visiter le manoir Doggy Boogie. Alors là il y a des trous, donc je vais essayer de pas tomber parce que peut-être ça va nous ramener encore à la place de je ne sais pas quoi. Non putain, je suis tombé. Voilà, et là je ne sais pas où je suis. Donc ça c'était à prévoir, hein, que je tombe. Mais du coup je ne sais même pas où je suis, je sais même pas où il faut aller. Il y a beaucoup de monstres. Ah mais regardez là, ils sont là. Enfin non, même pas, ils sont là. Mais regardez, c'est la baignoire. Donc peut-être qu'en fait j'ai bien fait de tomber là. Si je monte, merde. J'ai fait tomber ce que j'étais en train de manger. Donc peut-être c'est ça qu'il fallait faire. Non. Ah non d'accord, ça m'a juste rompu. D'accord, en fait je... En fait, la baignoire nous fait remonter en gros. D'accord, ben ça c'est bien. Les fanos, je suis encore en train de manger. Mais voilà. Allez hop, rentrons dans ce manoir. Bon après bien sûr je visiterai ce qu'il y a en bas. Mais après, là je vais avancer. Et ensuite je visiterai tout ce qu'il y a en bas après. Ah oui, pardon. Oui. Allez, tac. Ah, ils sont où là, les 5 coeurs? Ah merde, ça lui fait rien. Attends. D'accord, donc ça lui fait absolument rien. Comme ça, on le sait. Non, non, mais ça ne lui fait absolument rien. En fait, là, je peux le taper, là, je tomberai pas. Hein. Mais en fait, comme lui, il est derrière cette barrière, et du coup, on peut pas trop l'attaquer. Hein. Enfin, quoique, là, si. Hop là. Voilà. Alors, la suite, elle est où? Merde. Oh non! Non! Ah merde, mais je vais recommencer où là par contre? Bon, ça va. Je m'attendais à pire. Là, ça va, faut juste un peu tout remonter. Donc, c'est pas le plus grave en soi. Bon, il faut combattre quelques monstres, mais bon, c'est pas le plus grave. Moi, je m'attendais à plus grave. Non. Mais non, attends, mais pourquoi il a eu... Mais combattez-le! Ils font rien. Mais après, sinon, on gagne pas les points. Oh putain! Non, attends. Non! Il a pas voulu remonter. Attends, mais ça, depuis tout à l'heure, ils l'ont pas ouvert. Enfin, le jeu l'est pas ouvert, plutôt. Aether. Donc, là, il va y avoir les... dinosaures volants. On va les appeler comme ça, parce que je sais pas du tout comment ça s'appelle.
Ça, c'est des sang-sang corps volants, mais. Et bon, la forme d'un dinosaure. Enfin, en tout cas, la tête. Il tape toujours dans le vide, ce sera, mais c'est pas bien grave. Il tapera toute sa vie dans le vide. Malheureusement. Allez! Regarde là toutes les esquives que je suis en train de taper juste pour les taper. Ok, mais ça c'est quoi? Ça nous emmène où ça? Ouais, c'est pour redescendre, j'ai pas très envie. Hein. Bon écoute, on va voir. Hein. D'accord. Je pensais que ça faisait un truc, mais apparemment non. Allez, on choisit ce côté. Et là, paf, il y a des monstres. Oh là là, mais je suis fort. C'est abusé d'être aussi intelligent. Et quoi? Non! Oh non! Ah merde, et j'ai atterri où là? Ah putain, allez, c'est bon, je retombe encore. Ah putain, c'est pas possible. Donc là, il va falloir tout que je refasse encore. À part que j'arrive à retrouver encore la baignoire. Bon, ben ça va aller là. Merde. Bah allez, bah attaque. Voilà. Ok. Bon, bah voilà. Il n'y a plus personne. Il y a des trucs là encore en bas. Enfin, il y a encore il y a des chemins encore. Enfin, on verra après tout ça, mais. Enfin, voilà, mais après. Non! Putain, je suis tombé. Allez, faut au moins que j'arrive au sommet de ce manoir. Parce que là. Au moins, voilà, juste arriver au sommet. Après le reste, bon. C'est parce que. T'inquiète pas. Je le visiterai, mais je préfère mieux arriver en haut. Hein. Bon là du coup c'était pas le bon chemin, donc le bon chemin c'est celui-là. Hop. Ah c'est fou, regardez. Il y a un monstre. Voilà. Non, 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 putain, j'allais faire une connerie. Vous avez vu le creux? Je vais y tomber. Mais il me fait mal en plus, hein. Ok, je suis arrivé au sommet. Je suis arrivé au grenier. Ouais, c'est bien, j'ai voulu esquiver son attaque à lui. Là. Putain, j'ai failli tomber. Allez. Bon, non, non. Putain, il a suivi ce con. Il a suivi, j'y crois pas. Il faut que je remonte encore. Apparemment, ils sont encore en train de combattre les deux. Enfin, Donald et Mickey, je sais pas où ils combattent encore. Mais... Bon, bah écoute, voilà. Hein. Allez, hop, il y en a un qui est tombé. Ah putain, chiant hein. Bon, et alors là la momie, elle est où? Voilà, elle est là. Ah ben, elle va tomber encore hein. Ah regardez, elle est encore encore tombée. Moi bon, c'est bon hein. J'y vais, je la combattrai plus tard hein. Bon, ça y est, on est arrivé au grenier. Ça faisait long. Ah merde. Ah, il faut les combattre, regardez. On va combattre Amstramgram.
Allez hop, y'en a un, c'est bon. Ah, fallait encore le taper. On ne faisait qu'obéir aux ordres. Quand Oogie Boogie nous a dit de voler le cœur, c'est la faute à Gram. C'est lui qui a voulu parler du cœur à Oogie Boogie. Ouais, c'est vrai. Mais vous avez aussi... Tu devrais avoir honte. Ouais, mais non. Bon. Oogie Boogie nous a dit de ne pas révéler où est sa cachette. Il nous a aussi demandé de parler du de ne pas parler du levier. Forcé, on n'avait pas le choix. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il y en a un qui est maladroit, donc du coup, il vient de nous dire que de tirer le levier. Mais les fanos, on va se laisser ici pour cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Les fanos, si vous avez aimé, eh bien abonnez-vous, lâchez un commentaire, lâchez un j'aime, activez la cloche dans le prochain épisode dont tire à le levier. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!